Bonjour à tous, on est aujourd'hui donc avec Bertrand Lirade. Bertrand, bonjour. Bonjour. Donc Bertrand, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça va être vite remédié, entre guillemets, le directeur donc, de la programmation. Donc on reçoit aujourd'hui Bertrand pour débriefer un petit peu cette conférence de presse. D'ailleurs, comment tu trouvais celle-ci? Es-tu content, entre guillemets, du taux de réponse des gens? Oui, j'ai très hâte de voir la réaction des gens sur les médias sociaux. Le problème que j'ai, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps pour voir tous les beaux dons qu'on a à vous offrir. Donc le site en ligne va être là pour ça, donc j'ai hâte de voir la réaction des gens sur les médias sociaux. Écoute, pour avoir fait un petit peu le tour des médias sociaux, les avis sont plus qu'enthousiastes. On a vraiment un bel engouement. Les gens, justement, ont hâte de découvrir et ils peuvent dorénavant le faire donc, via le www.webaquebec.org, l'ensemble donc, de la programmation. D'ailleurs, cette année, juste rapidement, combien de conférenciers on va avoir le plaisir d'accueillir? Plus de 60, je crois, tu me disais? On a une soixantaine de conférenciers cette année. Évidemment, en ligne, ils ne sont pas tous là. On garde quelques surprises pour plus tard. Donc, entre autres, les deux conférenciers principaux qui vont manquer à la programmation. On a des noms qui viennent de l'extérieur, des noms locaux aussi, des qualités, des experts dans plein de domaines. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde cette année, le WAC. Définitivement. Tu parlais de surprises. On a justement eu de très belles surprises dans le développement de cette programmation. Moi, je vois quelques noms comme Mike Montero ou encore Larry Kim. Larry Kim que je suis depuis déjà quelques années sur Twitter, qui sont pour moi genre des pointures internationales et reconnues dans leur domaine. Comment ça se passe pour approcher des conférenciers comme ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont envie donc, de venir à Québec et de donner donc, de partager entre guillemets leur savoir dans le cadre du WAC? Bien, c'est sûr qu'on peut communiquer avec des gens comme on veut, mais des rencontres en personne, c'est ce qui approche le mieux les gens. L'année passée, quand j'étais à San Francisco pour justement une autre conférence IXDA, j'ai eu la chance de parler à Mike puis d'introduire l'idée dans sa tête. Donc, quand on vient avec l'approche 6 mois ou 1 an plus tard, on est déjà un peu implanté dans la personne puis c'est de quoi qu'on parle. Donc, ça, ça facilite l'approche avec ces gens-là. Ben c'est réussi puisque l'approche a été concluante. Enfin, il y a quelque chose, je pense, qui est assez remarquable dans la programmation de cette année. On voit que le WAC vraiment prend une dimension internationale, que ce soit par exemple avec la délégation donc, de 200 entrepreneurs qui vont arriver donc, depuis la France, la Belgique, le Maghreb et les Caraïbes, ou encore via la programmation où on a le plaisir maintenant donc, d'accueillir des conférenciers internationaux et de renom justement donc, dans les salles des partenaires qui sont des ambiances un petit peu plus intimes. Donc je trouve ça exceptionnel. Oui, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est vraiment rejoindre les experts de l'international avec nos experts locaux. On sait que le Québec est reconnu dans le numérique comme étant des experts. Donc, de mettre ces gens-là en contact, c'est quelque chose qu'il faut amener encore plus que juste se parler à l'intérieur de nous autres. Donc, en amenant des gens de l'extérieur, on va faire un partage de connaissances avec ces gens-là pour avoir même des ouvertures au niveau de l'entrepreneuriat aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des contacts puis des contrats à l'extérieur avec des gens des États-Unis, par exemple, qui viennent beaucoup cette année pour le WAC? Donc, de plus en plus, on veut amener cette dimension-là pour le WAC. Écoute, j'espère que ça va être une tendance qui va se poursuivre parce que c'est vraiment un plaisir d'accueillir tant de conférenciers talentueux. Merci beaucoup, Bertrand. Je souhaite une excellente fin de journée. Merci encore pour tous tes efforts et pour ce temps comité. Et on se dit à très bientôt. Pour vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous encourage à aller donc consulter la fameuse programmation donc de Bertrand et du comité de programmation qui est actuellement donc disponible sur le www.webaquebec.org. Et on espère donc avoir le plaisir de vous accueillir durant les 3 jours de cet événement. Bye bye.